Non, non, y a rien à faire, faut sortir l'oseille, sinon que dalle. Je te l'ai dit 100 fois. Tu l'auras demain, demain je te paye, j'aurai le pognon, compte dessus. Bon, parfait, attendons demain alors. Vili, voyons, tu me connais, tu sais bien que je t'ai jamais trompé, je te jure. Je te procurer l'oseille avant. Démerde-toi comme tu veux. Voyons, je peux pas toujours. Et moi j'en ai rien à secouer. Vili. Qu'est-ce qu'il y a encore? Que veux-tu qu'il y ait? J'ai le droit de savoir quand tu rentres à la maison. Tu sais, j'ai parfois l'impression d'être dans une chambre de bonne. D'où est-ce que tu viens? Ça t'embêterait de me répondre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu peux me dire où tu vas? Non.
Dis donc, t'as vu la porte? Évidemment, je l'ai vue. Il y a quelqu'un. Il y a sûrement quelqu'un. On a fait péter la serrure. Allez, entre, fais gaffe. Justement, aujourd'hui, il manquait que ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On a tout fouillé. Bah, laisse tout comme ça, mon volcan. Attends une minute. Quelque chose qui cloche? Non, non. Vous voulez que j'appelle? Non, non, c'est rien. Laissez courir. Jacob? Jacob? On peut plus becter? Ça m'arrive aussi de croûter. Ouais, je sais. Qu'est-ce que passe-t-il? Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Y a du gravule? Ouais. Allez, amène-toi. Une morte, hein? Oui, une jeune fille allongée dans la chambre, sur le pieu. Et il y avait deux mecs? Je les ai vus quelques secondes, c'est tout. Après, je me suis taillé. Est-ce qu'ils t'ont suivi? Non. Et l'homme dans l'ascenseur? J'avais couru, j'étais essoufflé. Il a demandé ce que j'avais. Et cette fille, tu l'as pas butée? Non, non. Ça, je te le jure, Jacob, c'est pas moi qui l'ai tué. Qui que ce soit qui ait pu faire cette connerie, on va te la coller sur le dos. On t'a aperçu dans l'ascenseur, t'étais complètement essoufflé, alors t'es marron. Celui qui t'a vu ira certainement le raconter. Il faut que tu ailles voir les flics. Il faut que tu leur dises tout ce que tu as vu. Jacob, pas question, t'es malade. Alors qu'est-ce que tu veux? Aller en tôle? Pour cambriolage? Pour meurtre? Va voir la brigade criminelle. Je leur raconterai exactement ce qui s'est passé. C'est la seule chance que tu aies. Est-ce que t'as piqué quelque chose? Oui, un livret d'épargne. Quelques pièces. Y a une montre. Je te garde pas tes trucs, je suis pas dingue, moi. Tu remets tout ça aux policiers. Et écoute bien. T'as intérêt à la boucler. Si quelqu'un te demande comment tu as fait ce coup et à qui tu pouvais revendre tout ça, tu boucles ta petite gueule. Pas de blague, donne pas mon nom. Vu? Bon. Tu me fais voir ce que tu as. Oui, la montre, à la rigueur, elle a de la valeur. Seulement le reste, aucune. Ça vaut pas 5 marques. Est-ce que tu peux me donner du pognon? J'en ai besoin. T'es malheureux à ton âge, tu sais. Tu penses pas à autre chose qu'à la drogue. Tu suis mon conseil, tu vas aller à la police. C'est la meilleure solution. C'est une histoire invraisemblable. Vous faites un cambriolage et vous trouvez un cadavre. Et vous supposez qu'on va croire une pareille bêtise? Vous nous prenez pour des malades. On vous a surpris pendant votre casse et vous avez paniqué. Non, non, c'est vrai, je vous ai tout dit. Sinon, pourquoi je serais là? D'accord, c'est vrai, je suis pas blanc, j'ai fait de la cambriole. Seulement, moi, j'y suis pour rien dans l'assassinat. Bon, on va aller voir. Y a quelqu'un? Ça, c'est à moi. Ah, oui. Votre outillage. Ouais. Et le sac? Le sac a disparu. Alors, où est-ce qu'il est, votre corps? C'est dingue, ça. Elle était allongée là, sur le pieu. Je l'ai vue. Je suis pas fou. J'ai vu le corps. Et puis soudain, j'ai entendu des mecs parler entre eux dans la pièce d'à côté. Il y avait un mec qui a constaté que la porte était fracturée, qu'il y avait quelqu'un dans la piole. J'ai eu peur, j'ai tout laissé en place, j'ai couru jusqu'à l'ascenseur. Ça tient pas la route, votre histoire. Vous allez nous dire que vos mecs ont fait disparaître le cadavre. Ce garçon a une sacrée imagination. Eh oui, mais pourquoi venir nous voir? Rien que pour nous dire qu'il a fait un cambriolage? Eh, j'y comprends rien.
Vous nous avez bien dit que là, il y avait un sac. Oui, un sac de femme. Et vous l'avez ouvert, bien entendu. Qu'est-ce que vous y avez trouvé? La chaîne avec la médaille. Il y avait autre chose dedans? Papier, carte d'identité, un trousseau de clés, des cigarettes, un briquet en plastique, rien de particulier. Quel genre de papier c'était? Un permis de conduire avec une photo dessus. À quel nom était-il établi? Ah, je pense que vous avez regardé. J'ai pas fait très attention. Un moment, attendez voir. Oui, je me souviens du prénom maintenant, parce qu'il était court. Je crois que c'était peut-être Route. Il faut savoir à qui cet appartement avait été loué. Il avait été loué à Monsieur Karl Harweg. Vous permettez? Bien sûr. Né en 42, commerçant. Quel genre de commerçant? Je crois articles de sport et autres. Toute la semaine, il est en voyage et n'habite chez lui que pendant le week-end. Il vit tout seul? Oui. Je suppose qu'il est divorcé ou au moins séparé de sa femme. Mais quand il est absent, qui vit ici? Vous ignorez combien d'appartements nous avons dans cette tour. Ça entre et ça sort sans arrêt. On ne peut savoir d'où viennent tous les gens. Il faudrait un portier à chaque entrée. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon appartement? Vous êtes Monsieur Harweg, Karl Harweg? Oui, je vous demande ce que vous faites là. Qui a mis la porte dans cet état? Vous avez été cambriolé, monsieur. Moi? Oui. Police criminelle. Un cambriolage? Oui, non, mais il n'y a pas trop de dégâts, il ne manque presque rien du tout. Oui, mais vous pourriez me dire au moins ce qui est arrivé ici? Et qui est ce garçon? Votre cambrioleur. Le cambrioleur? Le cambrioleur, au moins vous le tenez. Je vais lui donner une petite leçon. Ah, arrêtez tout de suite, alors. Ça va? Le coller en prison, ça ne sert à rien. Vous feriez mieux de lui cogner dessus. C'est la seule solution. Vous croyez que c'est agréable de rentrer chez soi et de trouver son appartement dans cet état? Non, sans aucun doute. Mais vous devez vous calmer, monsieur Harweg. Vous sortez tout de suite et attendez-moi devant la porte. Mais enfin, comment? Vous le laissez s'en aller? Oh oui. Ce garçon s'est présenté de lui-même. Vous croyez que c'est une bonne excuse? Ah oui. Pouvons-nous vous poser quelques questions, monsieur Harweg? Oui. Selon les renseignements que nous avons, vous êtes représentant. Et toute la semaine, vous êtes en voyage. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est exact. Toute la semaine, votre appartement est inoccupé. Oui. À part vous, quelqu'un possède une clé de l'appartement? Pourquoi cette question? Voudriez-vous y répondre, monsieur Harweg? Je vous répondrai quand j'aurai compris. Voyons. Bon, je vis tout seul et je vous assure que personne n'a de clé. Vous êtes marié, sans doute. Oui. Mais je vis néanmoins tout seul. Votre femme a-t-elle conservé une clé de l'appartement? Non. Alors il n'y a que vous qui en ayez une? Je vous ai déjà dit que oui. Est-ce que vous pourriez être gentil et m'expliquer la raison de ces questions? Oui. Oui. Le jeune homme qui a cambriolé ici nous a dit avoir trouvé une morte. Une morte? Mais vous êtes fou, c'est ridicule. Une jeune femme, dans votre chambre. Une morte qui est... Mais enfin, c'est pas possible. Vous voulez dire... Vous voulez parler de... d'un meurtre? Oui, nous n'en savions rien, c'est ce jeune homme qui est venu nous l'annoncer, seulement le cadavre a disparu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une morte, et soudain, tout d'un coup, plus aucune mort. Pendant que le jeune homme fouillait dans votre chambre, il a soudain entendu des voix. Les voix de deux hommes qui venaient de pénétrer chez vous et qui s'étonnaient de voir votre porte fracturée. Le jeune homme s'est troublé et naturellement, il s'est paniqué. Il s'est enfui. Deux hommes ici? Deux hommes ici. Et le garçon les a entendus parler? Il les a entendus parler. Mais est-ce qu'il les a vus? Un seul. Et il a couru jusqu'à l'ascenseur. Donc ces deux hommes, indiscutablement, étaient en possession d'une clé de votre appartement. Ah, c'est réellement insensé. Absolument pas, je ne la donne jamais. Vous croyez ce que ce garçon prétend? Qu'il a trouvé une morte chez moi? Et que d'un seul coup, cette femme disparaît dans la nature? Mais comment est-ce qu'on sort un corps de cette façon-là? C'est fou son truc. Pour aller le planquer où?
Et moi, je dois quitter la maison, hein? Tout ça parce qu'on aurait trouvé un cadavre ici? Non, vous n'êtes pas forcé de partir. Oh, encore une chance. Vous voyez, j'aimerais me reposer. Toute la semaine, je me trimballe à travers tout le pays. C'est un sacré job. Alors j'aimerais prendre un bain pour me détendre. Vous êtes contre? Non, je n'ai rien contre. Tu rends ce qu'on a pris à M. Auweg, c'est la moindre des choses. Vous êtes gentil. Là, c'est pas à moi. Non, c'est notre cambriolaire qui l'a pris dans le sac à main de la femme qui était allongée là. Il était sur votre fauteuil. Rien. Il y a toutes les photos des femmes disparues. Et celle de la morte n'y est pas. Sa disparition n'a pas encore été signalée. Oui, vraisemblablement. Donnez-moi ça. Je vais dessiner ce que j'ai vu quand je suis entré. Ça ne paraît pas bien dur. J'en ai pour une seconde. Je crois que si jamais il y arrive, ce ne serait pas bien beau. Il est en manque, ce garçon. Stéphane, je pense que des gens comme lui ont des hallucinations. C'est normal. Je suis persuadé qu'il a eu une hallucination. Mais la médaille va savoir d'où elle peut sortir. Nous n'avons pas la moindre preuve de ce qu'il nous a raconté. Un meurtre sans cadavre, c'est pas vrai. Souviens-toi qu'il a vu un des deux gars. Ah oui, ou il l'a imaginé. Non. J'y arrive pas. On peut très bien vous soigner, ça peut peut-être vous aider. Ça coûte de l'argent et j'ai pas un rond. Et la désintox, ça dure longtemps. Et si je m'en occupe, vous le ferez? Vous en occupez? Vous allez payer? L'essentiel, ce serait de vous trouver une bonne clinique. C'est moi. Venez. Merci. Vous allez en acheter une? Je vous la donne pour 80. Non, pour 50. S'il y a quelque chose à faire, je le ferai d'une autre façon. Oui, je vous en offre une. Choisissez laquelle. Alors, Erich, tu es là? Je viens de te dire que j'étais là. Quelqu'un vient de sonner. Que voulez-vous de moi? Puis-je entrer? Naturellement. Vous avez une histoire qui n'arrête pas de tourner dans ma tête. Vous voulez la répéter? Vous voulez bien? Oui, peut-être n'ai-je pas compris ce que vous disiez. Alors, vous avez aperçu chez moi deux messieurs l'autre jour. Oui. Monsieur Auweg. Oui. C'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Erich! S'il vous plaît, venez. Vous avez vite trouvé l'adresse de Monsieur Fiscal. Mais écoutez une seconde. Ma porte est défoncée. Ma serrure est inutilisable. Qui va me payer les dégâts? J'ai pensé à celui qui avait fait tout ça. Voilà pourquoi je suis là. Bon, très bien. Vous avez peut-être apporté les factures? Les factures? Non, je voulais voir d'abord si vous aviez collé ce bandit en prison. Seulement, la police n'est pas si rapide que je le croyais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on va régler les choses. Ce garçon n'a pas un sou. Ça, c'est plus fort que tout. Mais je crois que votre présence ici a un rapport avec le meurtre, sans doute. Et la vôtre aussi, certainement. Ah oui, bien sûr. Vous devez comprendre, j'aimerais bien entendre la version de monsieur sur cette histoire. Est-ce que vous savez enfin qui était cette morte? Non. Alors dans ce cas, ce n'est qu'une invention. Oui, c'est aussi une chose à envisager. Et est-ce qu'un pareil crétin se rend compte du pétrin qu'il a créé? C'est absolument insensé. Il aurait fait tout ça pour se distraire, jouer les marioles. Et ça en a tout l'air, hein. C'est pas vrai? Oui, j'avoue que c'est possible. Bon, alors... je reviendrai avec les factures. Erich, un moment, quelle est la question qu'il a posée quand il est entré chez vous? Si j'avais vu deux messieurs chez lui. Ah.
Je prends une de vos peintures. Stéphane, tu sais ce qu'il va faire avec le pognon. Oui. Je sais très bien, naturellement. Ah oui, ce garçon n'a pas un rond, tu m'excuseras, hein. Il habite seul avec son père, qui est gravement atteint. S'il veut de la cam, il la paiera d'une façon ou d'une autre. Rends-toi compte. Il y a un nouvel avis de recherche qui vient de tomber. Une jeune fille d'environ 20 ans et qui se nomme Ruth Zocal. Oui, entrez, messieurs. Merci. La deuxième porte à droite. Il y a déjà 3 jours qu'elle n'est pas rentrée. Moi, je suis sa locataire et sa sœur est là. Je l'ai appelée au téléphone et elle est arrivée tout de suite. Ça fait une semaine que j'ai reçu ce mot de ma sœur. Elle était depuis un mois à Munich. Elle était venue chercher un peu de travail. Cette lettre n'a rien d'extraordinaire. Elle paraît gaie là-dedans. C'est assez optimiste. Oui, elle y parle de quelqu'un qui lui est venu en aide. Oui, mais elle ne dit pas qui est le monsieur qui lui serait venu en aide. Si, elle en fait mention à la fin. Je vais bientôt te surprendre, ami. C'est son collier. Billy, tu trouves tous les renseignements possibles sur Auweg. Tu vas aller m'interroger toutes les personnes qu'il peut connaître. Qu'est-ce qu'on va faire des photos ? Tu veux qu'on les publie ? Non, nous n'avons pas trouvé la morte, ça ne sert à rien. Non, on est pratiquement sûr qu'elle est morte. Oui, je sais. Il est trop tôt, faut attendre un peu. Est-ce que je peux voir votre cambrioleur ? Erich, va devant ouvrir la porte. Il pourra ouvrir la porte. Tu sais que j'ai du mal à y aller. Et entrez. Allez-y. Ne restez pas là. Il est dans sa chambre, inspecteur. Après, il est comme mort. Et avant, il fait des bonds de 3 mètres. Allez donc le voir. C'est elle. Regardez bien. C'est Ruth Zocal. Vous l'avez trouvée ? Non. Je vous présente sa sœur. La police m'a raconté les circonstances de sa mort. Je vous suis reconnaissante d'avoir été tout leur dire. Oh, vous n'avez pas à me féliciter. Vous avez découvert ma sœur. Avait-elle des blessures ? Aucune en apparence. Nous lui avons déjà demandé. Oui, je sais bien. Seulement, c'était une chose que je voulais savoir. Elle avait l'air très triste. L'air très triste? Je ne peux vous dire que ce dont je me souviens, elle avait l'air triste. J'ai essayé de faire un portrait robot. Je ne sais plus dessiner. Vous m'en achetez une autre? Vous dérangeons ? Non, oh, pas du tout. Quand on parle du loup... Eh oui, on voit s'amener la criminelle. Je venais de parler de vous il y a une seconde. Je vous en prie, veuillez entrer. Merci, après vous. Je viens de recevoir de la visite. Mon frère est là et ma femme. Ah, bonjour, monsieur Harvey. Bonjour. Voici Suzanne Zocal. C'est la sœur de la jeune fille qu'on a retrouvée morte dans votre appartement. C'est un cambrioleur qui prétend qu'il aurait trouvé une morte ici. Seulement, on ne l'a trouvée nulle part. Alors, venez, vous pourrez encore une fois nous raconter votre histoire. Voici l'inspecteur Derrick, de la brigade criminelle. Entrez, veuillez vous asseoir. Bonjour. Et voici la sœur de la personne que l'on dit avoir trouvée dans la maison. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Assieds-toi. Jusqu'à présent, aucun cadavre n'a été retrouvé. C'est bien ça. Oui, excusez-moi, cernons les choses. Nous avons la disparition de Ruth Zocal. Un cambrioleur l'a identifié d'après une photo. Ce serait la morte qu'il aurait découverte chez vous. Oui, il l'a reconnue sur une photo. Mais quant à la morte, je crois savoir que... Rien n'a encore été prouvé. Ma belle-sœur et moi sommes au courant de ce qui s'est passé dans l'appartement. Vous êtes le frère? Alwin Auweg, inspecteur. Quelle est votre profession? Je suis conseiller financier.
Et votre bureau se trouve où? Je n'ai pas de bureau. Ce n'est pas nécessaire. Vous travaillez pour quelle société? Suis-je devant un tribunal? Et vous êtes Madame Harweg? Oui. Vous vivez séparés, je crois. Oui. Alors pourquoi vous êtes là? Mon mari m'a dit d'être présente. Pour le faire? À cause du cambriolage et pour parler de la morte qu'on prétend avoir trouvée chez lui. Vous n'avez trouvé aucune empreinte. Je me pose la question de savoir si tout ça est crédible ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dois vous demander de m'accompagner. Vous et vous aussi. Comment ça? Vous voulez un mandat? Et vous y inscririez quoi? Interrogatoire dans le cadre du meurtre de Ruth Zokal. D'accord, on y va. Inspecteur, puis-je... Bien sûr, je vous en prie. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas de clé de l'appartement en question. J'ai mon appartement, et je m'en contente. Vous connaissez cette jeune fille? Non. Vous n'avez même pas regardé la photographie? Je vous dis que je ne connais pas cette gosse. Depuis quand êtes-vous séparée de votre mari? 1 an et demi. Puis-je me permettre de vous demander pourquoi vous êtes séparée de votre mari? Raisons privées qui n'ont aucun intérêt pour vous. Néanmoins, je vous demande pourquoi. Mais parce qu'on ne s'entendait pas. Nous sommes trop différents de mentalité. Quelle est sa mentalité à lui? Ce n'est pas dur à comprendre. Il n'a aucune volonté. C'est un mou, un indolent. Il est sans la moindre personnalité. Il est nul, jusque dans sa profession. Il m'est impossible de pouvoir vivre avec cet être. Vous avez gardé une clé de son appartement? Non. Savez-vous s'il lui arrivait de prêter son appartement à quelqu'un? Je n'en ai aucune idée. Oh. Vous êtes sûr? Vous me posez la question à moi. Je peux vous en poser une. Mmh. On dit que le cambrioleur a aperçu quelqu'un. Mmh. Il pourrait en faire un portrait. J'ai tort ou raison? Je ne suppose pas que conseiller soit l'emploi exact de M. Alvin Harweg. Que fait-il réellement? Et disons peu de choses, mais qui rapporte beaucoup d'argent. Parlons de prostitution. Ma sœur faire ça? Non, c'est exclu. Il est évident qu'elle avait un ami, seulement rien de très sérieux. Je lui reprochais d'être trop exigeante. Elle rêvait constamment parce qu'elle attendait le grand amour. Comment pouvez-vous parler de prostitution? Est-ce que vous me permettez de revoir la lettre? Ah oui, c'est bien ça. Elle ne dit rien. Ne dit pas qu'elle est heureuse, n'explique pas son optimisme. Elle écrit « C'est un monsieur... » Non, je viens de faire la connaissance. Un homme qui doit m'aider. Je vais très bientôt te surprendre. Madame Lefleur? Oui? Pouvez-vous me dire où Ruth se rendait quand elle sortait? Vous faisait-elle des confidences? Voyons, à une minute, je dois dire que je sais plus très bien, hein, c'est loin. Mais elle disait qu'on pouvait la joindre. Bonsoir, monsieur Harweg. Dans un endroit pareil? Oui, il nous arrive de nous encanailler, ça fait partie du métier, ça. Ça fait aussi partie du vôtre, non? Ça veut dire quoi? Vous disiez être conseiller, n'est-ce pas, monsieur? Vous conseillez ces gens-là? C'est exact. C'est une entreprise, comme une autre. On s'occupe d'elle.
J'en dois aussi à mes conseils. Je vous offre quelque chose? Ah oui, Harry, tu prends un petit whisky? Ah non, non, pas si vite, attendez une seconde. On ne peut pas ce que je bois. Deux scotch, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous êtes un habitué. Oui, je suis un habitué. Et toutes ces... toutes ces élégantes exhibitions, je ne pense pas que ce soit votre rayon. Que si, que si. Je peux vous dire que le directeur n'est qu'un idiot. Je lui dirige sa baraque. Il le sait, d'ailleurs. Il sait très bien que sa boîte ne tiendrait pas très longtemps si je n'étais pas dans le coup. C'est une simple question de flair. Et vous en avez beaucoup. Oui, pas mal. Vous ne lui demandez rien? Attendez. Elle aussi est une habituée? Erich? Ouais. Qu'est-ce que... On dirait que ça gaspe pas, vous, hein? Non. Voulez-vous m'en acheter une? Non, vous ne devez plus compter sur moi. Qu'est-ce que vous voulez, alors? Écoutez, je suis venu vous raconter une histoire. Ruth Zocal est arrivée ici à Munich pour y travailler et pour y vivre. Elle n'avait pour tout bagage que son inexpérience, sa curiosité, sa belle jeunesse, sa rage de vivre. Elle ignorait tout de la vie et elle n'y était pas prête. Ensuite, elle est tombée amoureuse d'un homme qui l'a directement conduite à la prostitution. Ça a l'air très banal et c'est très banal et pourtant c'est bien vrai. Alors, je crois que ce monsieur... et fort probablement celui que vous avez vu l'autre jour dans la maison. Vous ne pouvez pas le dessiner. Bon, vous ne pouvez donc pas en faire un portrait. Seulement, pourriez-vous le reconnaître si vous le rencontriez? C'est cet endroit? Non. Alors maintenant, regardez bien. Est-ce que c'est ce bonhomme? Celui qui vient de se retourner? Je n'en sais rien. C'est peut-être celui qui a parlé, que vous avez entendu. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Oveg. Vous amenez des invités? Eh oui, cette jeune femme, vous la connaissez? Charmant. Et vous vous y connaissez, je pense. Oui, je m'y connais un peu. Et celui-là? C'est le cambrioleur. Ah. Voilà donc l'homme qui a vu un cadavre qui n'existe un pas. Un cadavre que nous ne retrouvons pas. Il y a autre chose qu'il a entendu. Oui, je sais, il se prend pour Jeanne d'Arc. Il a vu un fantôme. Et vous avez du nouveau? Non. Il a une drôle d'allure. Malheureux petit drogué. Pas de ça. Pas de ça devant moi, restez tranquille. Vous le protégez? Il n'est pas encore mort, mais ça va venir. Pourquoi l'avez-vous amené? Applause. Un cambrioleur, ça se colle en prison, vous perdez votre temps. Il y a une table de livres? Ah oui, là, tiens. Contre tes reins, je vais et je reviens. Entre tes reins, et je me retiens. Je t'aime. Curieux endroit. Un marché aux esclaves. On peut y vendre et acheter un peu de tout. Ma sœur y venait? Personne ne la connaît ici. J'ai montré sa photo au directeur. Il ignore qui c'est, du moins c'est ce qu'il prétend. C'est celui-là, inspecteur. Je t'aime. Je t'aime. Oh.
je saurai ce que vous me voulez. On a le droit de sortir, non? Mais cet idiot, pourquoi il criait? Et pourquoi il m'a cogné dessus? J'aime pas qu'on me cogne, c'est tout. Moi, je suis le gars qui réagit. J'ai pas réalisé ce qu'on me voulait. Alors, qu'est-ce qu'on me cherche? Vous êtes tous fous. Je connais pas ce garçon, jamais je l'ai vu. Et il vous ment s'il prétend qu'on se connaît. Je connais pas cette fille. Est-ce que je peux boire? Vous n'avez rien à dire. Non, pourquoi je dirais quelque chose? Conseil de famille. On dirait. Non, je connais pas cette gosse. Prenez le temps de réfléchir. Je savais que l'instant allait venir où il faudrait bien que je parle. Mon mari a besoin de beaucoup d'argent. Il a une pension à me donner. Je lui coûte cher. C'est pas avec le pognon qu'il peut gagner. C'est insuffisant. Un jour, monsieur est venu chez moi et a dit « N'aie aucune inquiétude, j'ai un moyen de trouver du fric. » Alvin loue mon appartement. Il le loue à la semaine et c'est d'un excellent rapport. Oui, c'est exact. Il désirait que je lui passe tout l'appartement quand j'étais dehors et il en donnait un prix intéressant. Je lui ai dit « Pourquoi ?» Mais il a répondu « Sois tranquille. Pose aucune question. » Alors, bien sûr, je n'ai rien demandé. Et après, vous vous êtes rendu compte? Oui, j'ai compris plus tard que... J'ai réalisé comment... Il utilisait l'appartement. Il y amenait des putains. Je l'ai connu par Alvin. Et elle m'a plu tout de suite. Elle était jeune. Et en plus, elle avait ce que beaucoup de jeunes filles n'ont plus de nos jours, une innocence extraordinaire, une pureté étonnante. Je lui plaisais aussi. Elle était exactement ce qu'Alvin recherchait. Il ne voulait plus entendre parler des filles à la page. Il voulait des naïves, des romantiques. C'était ce que la clientèle demandait. Il disait toujours, fais-leur miroiter le fric. Tout le pognon qu'elles vont gagner. Je n'ai pas résisté. J'ai obéi à Alvin, bien entendu. Vivi? Oui? Vous avez eu du mal à arriver à les faire parler? Non, aucune difficulté particulière. Vous voulez peut-être savoir ce qu'il y a eu? Dites toujours. Krositz lui a fait une proposition, il lui a dit. J'ai fait la même proposition, bien sûr. Cette petite avait l'avantage de posséder une fraîcheur qui devait valoir beaucoup d'argent. Après, tout s'est enclenché. Mais c'est venu d'elle-même, personne ne l'a forcée à faire le trottoir. Ensuite? Ouf, la clientèle n'était pas satisfaite. La petite chialait sans arrêt. J'ai demandé à Krositz de ne plus s'occuper de cette fille, qu'on avait raté notre coup avec elle. Krositz est allé dans la piole. Il l'a trouvée allongée. Elle était morte depuis longtemps. Krositz est revenu me voir et... Entre-temps, ce minable avait déjà dû venir cambrioler. Il s'est barré quand on est revenu dans la pioule. Mais vous auriez dû lui courir après. Pourquoi? On est resté dans la pioule.
Le suicide était évident, il n'y avait rien à faire pour elle. Peut-être on aurait dû appeler la police. Je l'ai proposé à Krositz, il a refusé, il a pris peur, mais de toute façon, les suicides étaient patents. Krositz s'est paniqué. Il était complètement perdu. Il voulait l'embarquer. Moi, ça m'arrangeait, je voulais que mon frère reste hors du coup. Je ne supposais pas que ce mec irait tout raconter. C'est l'erreur. Vous avez enlevé le cadavre? On a pris l'ascenseur jusqu'au garage. Et où l'avez-vous emporté? J'ai une baraque à côté du Tegernsee. Nous l'avons mise là. Ça vous conduit pas bien loin. Qu'est-ce que vous croyez que vous nous ferez? On n'a rien commis d'atroce. En tout cas, pas d'assassinat. Non, non. Entrave à la justice, enlèvement de cadavres, prostitution, plus dissimulation de preuves matérielles. De toute façon, c'est une inhumation très illégale. Tout ça, ce n'est pas un meurtre. Je pense que c'est une certaine forme de meurtre. Vous aurez du mal à soutenir ça devant des jurés? Non. J'en suis persuadé. Vous savez que cette chambre dans une bonne clinique, vous l'avez si vous le voulez. Mais avant, il y a le tribunal pour le cambriolage. Comment peut-être peut-il exister des circonstances qui plaident en votre faveur? D'abord, vous n'avez encore jamais été condamné, et puis vous êtes venu nous voir. Vous avez décidé tout seul de vous en sortir. J'espère que vous reprendrez bientôt vos pinceaux. Merci.